Un prélèvement sans rendez-vous pour un résultat en 10 minutes. Cette personne doit prendre l'avion dans 3 jours. Elle doit justifier à l'aéroport d'un test Covid négatif. Ça va quand je n'ai pas de symptômes. Mais bon, on a toujours quand même peur de se retrouver en positif. On peut ne pas avoir de symptômes et voilà. Un test antigénique aussi simple qu'un test de grossesse, avec un résultat à l'instant T, même s'il existe 15% de faux négatifs. C'est bon monsieur, vous êtes négatif. Merci beaucoup. Je vous laisse finir avec mes collègues. De quoi rassurer à quelques heures du réveillon. C'est passé de 10-15 tests par jour à 30 et jusqu'à hier 80. La plupart, moi, ils ne sont pas spécialement inquiets, c'est pour être rassurés, si vous voulez, avant d'aller passer les fêtes en famille. Autre prélèvement en laboratoire cette fois pour un test PCR. Même rush en début de semaine, un peu plus calme aussi ce 24 décembre. Cette dame s'inquiète de voir sa toux se dégrader. C'est peut-être qu'un petit coup de froid, parce que j'ai pas autrement mal à la tête, j'ai pas ça. Non. Mais je voudrais être rassurée quand même. Le prélèvement part aussitôt dans les étages pour analyse. Le personnel s'attendait à rester mobilisé jusqu'à 3 heures du matin pour faire face à une forte demande de tests. Et compte tenu de ce volume qui est inférieur à nos attentes, on tient largement les délais qui sont admis d'une douzaine d'heures pour un rendu de résultats. On est en dessous. Pharmacies et laboratoires s'attendent à une reprise des tests la semaine prochaine pour le nouvel an.